Coucou les amis, regardez, là maintenant, je fais le perçage, regardez. J'ai mesuré à l'aide du pied à coulisse. Il faut une mèche de 5. J'ai mesuré ça, oui, c'est trop petit. Ça passe pas les vis. Allez, c'est bon, je perce. Je la mets sur la quatrième vitesse, allez. Allez, c'est bon. C'est du fun. Je voulais. Je vous dis que ça. Il y a un problème dans le boîtier à force. Vous voyez? Elle est vieille. Hein. Elle a 12 ou 15 ans. Regardez. 4 vitesses. Ça, c'est électronique. Pour serrer, vous voyez. C'est mon frère qui me la veut faire. 550 euros. 560 euros. C'est des petites piles. Les autres, elles sont plus grosses. Hein, alors. Mais lui, il avait commandé des piles plus petites pour que ça fasse moins lourd. Elle est belle, regardez. C'est du fen. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est la meilleure marque du marché. Non, mais j'aime bien, moi. C'est pas que c'est la meilleure marque. Moi, j'aime bien. Et là, au bout, on met un petit bout, regardez. Et on peut le mettre même là-dedans, l'empreinte de tournevis. Voilà, les amis, vous savez tout. Allez. Mâchoire en carbure. Pas mal, hein. Belle perceuse, regardez. Et là, grosse vitesse, regardez. Grande vitesse. C'est pas mal. C'est sympa, hein. Ils ont fait un bon truc. Ah, elle est pas démodée, hein. C'est une bonne perceuse, hein. Il y a les vitesses qui vont pas, c'est tout. À part, ça vit. Bon, les amis, on remonte en haut. On remonte en haut, je vous coupe.